On a ici un produit de trois facteurs, moins 5x2 multiplié par 3x plus 6 multiplié par x plus 1, qui doit être inférieur ou égal à 0. On va donc opérer classiquement un tableau de signes avec trois lignes, puisque nous avons trois facteurs, et la quatrième ligne nous donnera le produit. On va tout d'abord résoudre, trouver les valeurs qui vont annuler chacun de mes trois facteurs. Moins 5x carré, il s'annule pour x est égal à 0. Il n'y a pas grande discussion. 3x plus 6, cette expression elle va s'annuler en moins 2. Et la troisième expression, le troisième facteur, x plus 1, lui s'annule en x est égal à moins 1. J'ai donc les trois valeurs, moins 2, moins 1 et 0 en croissant, qui vont annuler mon expression. A partir de cela, je peux construire mon tableau de signes. Ma première ligne, moins 5x carré, on l'a dit, elle s'annule en 0. 3x plus 6, lui, s'annule en moins 2. Et enfin, x plus 1, lui, s'annule en moins 1. Je vais donc placer mes 0 dans mon tableau de signes. La première expression, première ligne, moins 5x carré. Il y a un tout petit piège. En fait, si on réfléchit un tout petit peu à ce nombre-là, x carré est nécessairement un nombre positif, puisqu'un carré est toujours positif, et en multipliant un nombre positif par moins 5, cette expression-là est nécessairement toujours négative. D'ailleurs, une expression un peu méchante se trouve en fait quelque chose de très sympathique. Quelle que soit la valeur qu'on va donner à x, moins 5x carré sera toujours inférieur, éventuellement égal à 0, en 0, mais ailleurs, ce sera toujours négatif. 3x plus 6 est une expression du premier degré qui s'annule donc en moins 2, on l'a vu, et elle est du signe de a, c'est le cours, à droite de 0. A ici vaut 3, donc elle est positive à droite et donc négative à gauche. X plus 1 s'annule en moins 1, expression du premier degré, a fois x plus b, le coefficient a vaut 1, et on est donc positif à droite, négatif à gauche. Là, on opère maintenant une règle des signes, attention de ne pas se tomber, il y a trois facteurs. La première case, le produit de négatif va faire un positif, remultiplié par un négatif, le produit sera négatif. Le premier produit sera négatif, remultiplié par un négatif positif, négatif et négatif. On met les zéros maintenant, mon produit va s'annuler en moins 2, en moins 1 et en 0. On m'a demandé de trouver le domaine sur lequel cette expression était inférieure ou égale à 0. On voit bien d'après le tableau de signes qu'elle est négative ici, sur la première partie de mon intervalle. Elle va s'annuler en 0, on va l'accepter. Elle redevient après négative sur toute la partie à partir de moins 1. Donc on va résumer cela de façon ensembliste. L'ensemble S de solution part de moins l'infini jusqu'à moins 2. Moins 2, je vais l'accepter, puisqu'en moins 2 c'est nul et je veux moi une inégalité large inférieure ou égale à 0. Donc je l'accepte. Là, il y a une toute petite rupture entre moins 2 et moins 1. Je repars en moins 1 en acceptant moins 1, un crochet comme ça fermé, puisque moins 1 va annuler mon expression et c'est donc accepté. Et je cours maintenant jusqu'à plus l'infini. Il n'y a plus d'obstacle après, la valeur qui annule en 0 est encore acceptable. Donc mon ensemble solution est moins l'infini moins 2, union moins 1 plus l'infini.